Chers amis de Point de Vue, bonjour, je suis Laurent Monti et je suis particulièrement heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro de Point de Vue qui est consacré, comme vous le savez, au décryptage de l'actualité africaine, dans l'actualité politique, économique, sociale, sociétale, sportive et on parle même de santé à Point de Vue. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui est consacré à une thématique bien particulière, à savoir la démocratie. Mais nous allons savoir avec notre invité précisément combien coûte la démocratie en Afrique. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau notre cher invité Jean-Marc Kwame, que certains d'entre vous connaissent déjà parfaitement. Jean-Marc Kwame, nous sommes heureux de te recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Laurent. C'est Point de Vue, c'est chez toi. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter succinctement. Tu es spécialiste des questions de politique publique avec une particularité sur la fiscalité et l'économie. Donc, tu es diplômé aussi de l'IFAG de Lyon, donc l'Institut de formation aux affaires de gestion à Lyon. Et de Sciences Po Aix-en-Provence. Exactement. Donc, autant le dire, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau un crack des questions de politique publique. Alors, Jean-Marc Kwame, nous avons, en préparant cette émission, essayé de savoir, on parle toujours de démocratie de manière générale sur les grands principes, mais on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir combien coûte la démocratie en Afrique. Donc, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de poser un certain nombre de cadres, savoir définir la démocratie, quel type de démocratie on retrouve en Afrique, quels sont les différents types de démocratie, par exemple, qu'on retrouve en Afrique. Exactement. Ben, merci Laurent. Si on peut, idéologiquement, ce qu'on retient de la démocratie en termes de définition, la démocratie, on entend, pour faire court, c'est le peuple, le pouvoir au peuple et par le peuple. Oui, donc, le gouvernement du peuple, exactement. Par le peuple et pour le peuple. Ça, voilà, donc en termes de régime politique, c'est la gouvernance du peuple, pour le peuple, par le peuple. En termes d'idéologie maintenant, c'est faire de telle sorte que le gouvernement en place permette une liberté exclusive des citoyens. Il y a une liberté de faire tout ce qu'on veut. Donc c'est le contexte idéologique et le contexte politique où on va dire peut-être... en termes de définition politique. Je ne vais pas me circonscrire à l'Afrique, mais quand on dit le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est-ce que honnêtement, on est dans ce cadre-là en Afrique? Oui, parce que... C'est le peuple qui gouverne, qui décide pour lui, Parce que la logique voudrait que ce soit le peuple qui gouverne, dans le sens où le peuple élit ses dirigeants. Donc, le peuple a le choix entre plusieurs dirigeants. Donc, le peuple fait un choix sciemment. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser derrière, est-ce que les conditions de ce choix sont des conditions optimales? Est-ce que maintenant, il y a une liberté, une véritable liberté de choix? Ça, ce sont les questions maintenant qu'on peut se poser sur la démocratie en Afrique. Effectivement, on en a parlé au Point de Vue dernier avec notre invité André Couillou, que nous aurons le plaisir certainement de recevoir pour d'autres numéros. Mais précisément, Jean-Marc, quels sont les différents types ou différentes formes de régime démocratique, entre guillemets, qu'on retrouve en Afrique? Moi, je dirais déjà, avant d'aller sur les formes de démocratie, il faudrait déjà aller sur les types de démocratie. Idéologiquement, on distingue deux types de démocratie. On a la démocratie directe, c'est-à-dire où les peuples élisent leurs dirigeants et ceux-ci les représentent, dirigent, gouvernent en représentant les peuples. Il n'y a plus de concertation du peuple, sauf sur des questions bien précises par le référendum. Ça, c'est le premier type. Le type de, donc, on dira la démocratie directe. Maintenant, il y a la démocratie indirecte ou semi-directe, où le peuple donne mandat à des dirigeants. Donc, le peuple élit des dirigeants pour les représenter. Seulement, le même peuple est constamment sollicité pour donner son avis sur des questions précises qui peuvent être des questions des plus bêtes sur le transport, sur la pollution, surtout. Et ce type de démocratie, on le voit particulièrement en Suisse, oui. Où chaque dimanche, les Suisses vont par forme de référendum, vont voter sur des questions qui leur sont demandées. Et le temps que eux, ils sont divisés en cantons, donc en voilà. Cantons, exactement. Sur des questions liées à... Exactement. Donc, on a ces deux formes de démocratie. Nous, en Afrique, on est plutôt sur des démocraties directes. Maintenant, à l'intérieur de ces deux types de démocratie, on aura des formes de démocratie qui vont aller de l'Assemblée, mais qui est une forme de démocratie, de régime politique démocratique qu'on ne trouve pas forcément en Côte d'Ivoire, parce que quand on dit Assemblée, on élit, c'est le peuple qui élit une Assemblée,
Et à l'intérieur de cette assemblée, il y aura des commissions. On trouve particulièrement ce régime-là en Corse, par exemple, on a l'Assemblée Corse en France ou en Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Papouasie française. Ce sont des assemblées. Après l'assemblée, on a le régime parlementaire. Le régime parlementaire, le pouvoir est donné à l'assemblée, aux représentants du peuple, c'est-à-dire les élus, les députés ou les sénateurs. Donc c'est l'assemblée, il faut avoir une majorité au niveau de l'assemblée pour diriger. Au niveau du régime parlementaire, est-ce que c'est pas on a un président bien sûr, on a des décisions, mais en fait l'assemblée a un rôle prépondérant. Exactement. Par exemple pour nommer exactement. Exactement. Donc il y a ce régime parlementaire là qui existe. Après on a le régime présidentiel qui est beaucoup plus répandu en Afrique. Et à l'intérieur de ce régime présidentiel, même en Afrique, on peut dire qu'on a des régimes hyper présidentiels. Ça, c'est le régime qui est particulier. Le pouvoir est concentré. Et le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne. Voilà. Et enfin, on a des régimes mixtes qui regroupent et le régime parlementaire et le régime présidentiel. Ça, c'est le cas de la 5e République en France. D'accord. Alors, ce qui me concerne ici en Afrique, on est plus dans les régimes. On est plutôt dans les régimes présidentiels ou plutôt hyper présidentiels. Voilà. Maintenant, Jean-Marc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui caractérise une démocratie en Afrique en termes d'institutions. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent d'un pays à un autre? Est-ce qu'on peut, de manière plus ou moins générique, dire qu'en Afrique, voici comment fonctionne plus ou moins la démocratie avec un certain nombre d'institutions qu'on peut catégoriser? Exactement. Comme par exemple, on va faire simple. On a dit en Afrique, nous avons le régime présidentiel ou hyper présidentiel. Dans le régime présidentiel, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. À l'intérieur du pouvoir exécutif, c'est-à-dire c'est le président qui est la figure de ce pouvoir exécutif, mais en Afrique, on a le président et le gouvernement. Et malheureusement, cela est souvent inscrit dans la Constitution, alors que le pouvoir exécutif est régi, le principal acteur du pouvoir exécutif, c'est le président. Ce n'est ni le premier ministre, ni le gouvernement. Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République. Mais en Afrique, souvent, on voit que c'est le gouvernement ou même le premier ministre. Donc, à l'intérieur de ce... Pourquoi tu dis malheureusement? Parce que c'est plus ou moins le fonctionnement normal. Même dans un régime présidentiel, on a le président, d'accord, peut décider de tout, mais après, on a un gouvernement qui met en œuvre sa politique. Soit on choisit. On n'a pas deux têtes à la tête d'État. Mais est-ce que dans nos constitutions, il est écrit c'est pas écrit dans la constitution qu'il y a le président et le premier ministre qui sont à égal, si vous prenez la plupart des constitutions de la République, quand je prends par exemple le cas de la dernière constitution ivoirienne, la constitution de 2016, on nous dit que le pouvoir exécutif est comprend le président de la République, le premier ministre et le gouvernement. Mais dans le cas où on aurait une cohabitation, dans le sens où le président serait d'une coloration politique différente de celle du premier ministre, ceci aurait du sens. Cela ne peut même pas être possible parce que s'il y a une coloration comme cela, ça voudra dire que nous sommes dans un régime politique mixte, alors que nous n'avons pas de régime politique mixte. Non, mais même si on n'est pas dans un régime politique mixte, Jean-Marc, on peut quand même considérer que, par exemple, je ne suis pas dans un régime démocratique vraiment où les résultats issus des urnes sont véritablement proclamés, qu'on peut élire un président et puis avoir une assemblée nationale d'une coloration politique différente. Ouais. Et est-ce que dans ce cadre-là, le premier ministre n'est pas issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale? En tout cas, pour la plupart, en 60 ans d'existence, pour la plupart de nos pays, on l'a pas vu, mais ça n'a jamais existé. Mais je veux dire, dans les textes, c'est ce qui est consacré. Dans les textes, oui, ça pourrait être possible dans le sens où celui qui est le parti majoritaire à l'Assemblée devrait nommer celui qui devrait être le premier ministre et qui va être nommé par le président de la République. Mmh. Et on aura deux têtes de pont qui vont diriger l'exécutif. Exactement. Donc j'ai envie quand même de dire que nos textes le prévoient, même si on sait que dans la pratique, ce n'est pas toujours ça, mais au moins, c'est plus ou moins prévu dans nos textes. Ouais. Et ça m'envoie à cette question, justement, de savoir, avant d'arriver vraiment au coup de la démocratie, justement, la question initiale était de savoir quelles sont les différentes institutions qu'on peut retrouver dans un système présidentiel. Dans le système présidentiel, on retrouve généralement comme institution la présidence de la République au niveau de l'exécutif, qui est une institution, il ne faudrait pas l'oublier. Le poste de premier ministre, on dirait la primature. Mmh. Donc, on est toujours dans l'exécutif. On aura aussi le
le Conseil économique et social. Tout ça, ça fait partie de l'exécutif. On aura, par exemple, la grande chancellerie, la médiature. Tout ça, ce sont des institutions qu'on a hérité de ces institutions, dont on a hérité de la colonisation avec tout ça. Après, il faudrait réfléchir sur l'utilité de ces institutions. Quand nous prenons, par exemple, le pouvoir législatif, on a l'Assemblée nationale. Pour nos pays qui ont deux chambres, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Gabon, on a le Sénat. Donc, qui font partie des institutions de la République. On a, par exemple, j'ai oublié, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a la Chambre des rois et des chefs traditionnels. C'est maintenant une institution en Côte d'Ivoire. On a, au niveau législatif, si je pourrais dire, on va pas le mettre dans le niveau législatif, on va plutôt au niveau judiciaire. On a, par exemple, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'on a un peu comme institution? On a aussi l'inspection générale. Il y a la haute autorité de la bonne gouvernance. Et la haute autorité de la bonne gouvernance. Pour revenir sur le Parlement, est-ce que c'est justifié aujourd'hui, compte tenu de notre contexte politique, historique et même économique, d'avoir deux chambres parlementaires, d'avoir une Assemblée nationale et d'avoir également le Sénat? Est-ce que ça se justifie vraiment aujourd'hui en Afrique? C'est une très bonne question, parce que quand nous prenons justement un peu, nous faisons un peu le tour de nos pays d'Afrique subsaharienne, hormis la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo Brazza, donc la République du Congo, et peut-être, je sais même plus si le Sénégal a toujours ses sénateurs, le Sénégal sans doute aussi, si je ne m'abuse, le pouvoir bicaméral, on n'en trouve pas assez. Donc, ça pose la question est de savoir vraiment l'utilité, comme on se dit. À titre personnel, je ne justifie pas ce bicaméralisme voilà, de ce pouvoir législatif. Parce qu'il y a une question d'efficacité. Généralement, on va dire qu'on a généralement deux chambres. Quand il y a un travail véritable et effectif qu'il y a au niveau de la première chambre, et il y a souvent une opposition au niveau des chambres. Donc, dans le schéma législatif, le schéma qu'il y a entre l'exécutif et le législatif, souvent avec les oppositions et amendements, souvent on prend cette deuxième chambre pour pouvoir faire une sorte d'arbitrage quand on sait qu'au final, le mot final revient à la première chambre. La première chambre qui est? L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a généralement le dernier mot. Pour ne pas dire toujours le dernier mot. On a beaucoup d'institutions, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Combien coûtent ces institutions, honnêtement, aux contribuables, finalement? Exactement. Combien coûte la démocratie? Pour faire fonctionner la démocratie, donc il faut faire fonctionner ces institutions qui ont des salariés. Combien tout ça coûte, en fait? Les deux tiers du budget de chaque État. C'est ça. La démocratie coûte deux tiers du budget de chaque État. Deux tiers du budget de chaque État. Prenons un exemple simple. Si nous prenons le Gabon. Le Gabon, le budget 2020 était estimé à peu près à 2500 milliards. Sinon, 2300 milliards, parce qu'il y a eu, une loi de finances modificative à cause de Covid. Donc, je crois, 2800 milliards, peut-être que, si je ne m'abuse. Les deux tiers du budget sont consacrés au fonctionnement de la démocratie. Parce que un tiers, c'est consacré à la dette. D'accord. Au remboursement de la dette. OK. Et l'investissement n'est pas inclus dedans. Quand on dit, est-ce que ça inclut le paiement des fonctionnaires, etc.? Exactement. Et généralement, le paiement des fonctionnaires même représente un tiers de nos budgets. Donc, on le voit effectivement que la démocratie, enfin, je veux dire, donc, au Gabon, un tiers, Côte d'Ivoire, les deux tiers, tu as dit. Les deux tiers en général. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand vous prenez, c'est deux tiers, exactement. Donc, ça veut dire que cet argent-là qu'on utilise pour payer les fonctionnaires, payer les présidents d'institutions, etc. Exactement, faire fonctionner notre démocratie, voilà. Revient à deux tiers de notre budget. Par exemple, la Côte d'Ivoire, combien, si on devrait parler en termes de chiffres pour la Côte d'Ivoire. En termes de chiffres, par exemple, quand on prend le budget 2019, parce que, ouais, on peut même prendre le budget 2020, mais comme l'année n'est pas finie, on va dire. Sur 2019, on a eu un budget de 7800 milliards. Les deux tiers du budget, les 7800 milliards,
reviennent au financement de notre démocratie. Donc, deux tiers de 5, on va prendre à peu près 5 500 milliards viennent au financement de notre démocratie, au fonctionnement de notre démocratie. Voilà. Mais aujourd'hui, Jean-Marc, quand on regarde justement les coûts, les chiffres qui sont colossaux dont tu nous parles, et l'expérience démocratique au quotidien qui est la nôtre, est-ce qu'on peut dire qu'on a un bon rapport qualité-prix? Non. Parce que effectivement, pour cette somme d'argent que nous injectons dans le fonctionnement de notre démocratie, la question est de se poser, est-ce que nous avons des démocraties efficaces? Est-ce que chaque citoyen de chaque pays, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, de tous les peuples d'Afrique subsaharienne, est-ce que l'Africain peut dire qu'il a un régime démocratique efficace? Est-ce que l'Africain peut dire je suis libre après? Nous sommes en période électorale dans la plupart des pays. Je vais rebondir sur une question. Quand on regarde, par exemple, certains pays comme le Rwanda, très bien, on peut dire que c'est un régime démocratique, mais un régime, on va dire, hyper-présidentiel. Hyper-présidentiel. Avec, on le dénonce souvent, un certain nombre de restrictions de liberté, oui, etc. On dit que c'est vraiment un régime, on va dire, fort. Mm-hmm. Mais on se rend compte quand même que le Rwanda, en termes de développement, en termes de bonne gouvernance, est cité par les institutions internationales comme étant un modèle. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir entre certains pays qui ont une démocratie plus ou moins plus ouverte sur le papier, j'ai envie de dire, mais qui n'ont pas un niveau de développement, un niveau de bonne gouvernance aussi avancé que celui du Rwanda? Voilà, la question est quand même posée à se demander qu'est-ce qui nous conviendrait en fait. J'aime bien ta question, Laurent, parce que tu dis est un modèle vanté par l'international. Mais attention, si on pose la question au Rwandais, est-ce que le Rwandais lambda pourra dire qu'il se sent libre, qui peut exercer, il peut dire ce qu'il veut? Parce que faut pas confondre, n'oublions pas, on a dit la démocratie, c'est le pouvoir au peuple pour le peuple, et c'est l'obligation de l'État de donner toutes les libertés au peuple. Après, Jean-Marc, on me pose la question. Donc, on peut avoir une très bonne gestion des finances publiques, mais ne pas être une démocratie. D'accord, mais entre et se sentir libre. Et on pourrait dire qu'au Rwanda, je ne vais pas affirmer des choses. Bon, on est plus dans ce cas. On a une bonne gestion des finances publiques. Mais au-delà de la gestion des finances publiques, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures, on a des hôpitaux, on voit que même le Rwanda, face à la crise de Covid-19, a mieux résisté, mieux réagi que certains autres pays. Donc, en tant que citoyens, c'est la question qu'on peut se poser légitimement. Est-ce que je veux vivre dans un pays où je vais peut-être pas m'exprimer aussi librement que je le souhaiterais, mais que je peux me faire soigner de manière convenable, bien sûr, aller dans de très bonnes écoles? Sinon, prenant dans ce cas, on va dire le modèle rwandais est efficace parce que le rapport qualité-prix, on va dire comme ça, le rapport qualité-prix de la démocratie rwandaise est très bon, est efficace. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, vous prenez une branche de la population ivoirienne, elle vous dira que oui, le rapport qualité-prix de la population de la démocratie ivoirienne est très bon quand nous prenons par exemple les 9 dernières années du président Ouattara. Donc, mais vous prendrez une autre branche de la population. Bon, on a le cas avec les élections actuellement. Vous voyez, il y a deux bords qui s'affrontent. Hein. Donc, c'est relatif. C'est relatif. Donc, c'est la même question que c'est là que je dis. Si nous posons aussi la question à un certain type de Rwandais, nous vous dirons pas la même chose. On a vraiment l'unanimité dans un pays. Mais je veux dire, il y a quand même des choses qui sont factuelles. Quand on arrive à Kigali, c'est bien. Si vous prenez un Mauricien, vous lui demandez le rapport qualité-prix de la démocratie mauricienne, il vous dira, il est bien. L'île Maurice est un très bon exemple parce que l'île Maurice aussi, par les institutions internationales, est souvent félicitée pour la qualité de sa gouvernance, pour les infrastructures. Mais c'est une démocratie, on va pas dire hyper présidentielle, mais quand même, on a l'impression que les institutions fonctionnent bien, où les gens peuvent s'exprimer librement. Exactement. Donc, même si ce n'est pas situé précisément sur le continent, parce que c'est à côté. C'est africain. Mais est-ce que, justement, c'est pas un pays qu'on devrait prendre comme modèle en disant qu'on peut avoir le développement économique et aussi le développement d'une démocratie vivace? Moi, à mon avis, je pars du principe que ce sont nos différences qui aideront à permettre un pays harmonisé, un pays harmonieux. Je pars de ce principe. Donc, je me dis, s'il y a une opposition, mais une opposition qui peut faire quelque chose, qui peut apporter quelque chose de constructif. Donc, il faut permettre une liberté à chaque personne. Il faut accepter la critique.
Mais ce que Jean-Marc vous parlez de... Et c'est le problème qu'on a en Afrique subsaharienne. On n'accepte pas la critique. C'est ce qui est malheureux. Bon, ça c'est plus ou moins partout, voilà. De façon diversement appréciée. Mais Jean-Marc, pour revenir sur les institutions, est-ce qu'au final, ce qu'on constate, qu'on a pléthore d'institutions, est-ce qu'elles ne servent pas simplement à caser des amis politiques pour les récompenser d'un soutien, mais pour la etc. Pour la plupart, Laurent, ces institutions servent justement aux récompenses. Parce que quand nous avons généralement des institutions comme la Cour des comptes ou les hautes autorités de bonne gouvernance qui sont censées faire des rapports annuels pour montrer comment est-ce que l'argent public a été dépensé, donc comment est-ce que notre démocratie fonctionne, et que ces rapports ne sont pas publics, donc l'opinion ne se fait pas guider sur comment l'argent, parce que l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent du président de la République, c'est l'argent de l'État, donc c'est l'argent de chaque citoyen. Donc, quand le citoyen lambda ne se fait pas une idée de comment son argent est utilisé, il y a un problème. Est-ce que le citoyen peut, dans une démarche citoyenne, on a ici en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, une société civile quand même assez vigoureuse, est-ce que les citoyens aussi ne peuvent pas faire cette démarche d'aller vers ces institutions pour demander et exiger que ça soit rendu public? Mais c'est, normalement, c'est la norme. Ah, mais quand on se rend compte que la norme n'est pas appliquée, est-ce que les citoyens, justement, pour plus de transparence, ne devraient pas se rapprocher de ces institutions-là pour ce n'est pas aux citoyens de se rapprocher pour avoir un rapport de l'utilisation des finances publiques. Ce sont ces institutions. Mais quand on se rend compte que ces institutions-là ne font pas leur travail, est-ce que ce n'est justement pas le rôle de la société civile de secouer pour je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, c'est le rôle de la société civile d'alerter les Ivoiriens, d'alerter les populations sur leurs droits et leur dire, on doit rendre des comptes, des populations doivent nous rendre des comptes. Mais on va trop loin. On va sur des institutions comme la Cour des comptes ou l'autorité de bonne gouvernance. Mais même au niveau des assemblées, les assemblées doivent rendre des comptes. Les députés doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Les maires doivent rendre des comptes. Les ministres ne sont pas des super ministres. Les ministres sont des hauts fonctionnaires. Ils ne sont pas des dieux, ce sont des hauts fonctionnaires. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas comme ça. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Ce n'est pas comme ça qu'on a vu. On voit un rapporteur ministériel comme un saint graal et que bon. Malheureusement. Au sommet de sa carrière. Ça dépend de l'éducation. On est en train d'arriver doucement, mais sûrement vers la fin de notre échange. Mais j'aimerais qu'on parle des élections. On organise à échéance régulière des élections en Afrique tous les 5 ans, tous les 7 ans, des élections intermédiaires. Mais tout ceci a un coût. Exactement. Alors, combien coûtent les élections? Qui finance? Qui intervient? Comment ça se passe? Donc, on va dire, les élections, je vais prendre nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en année électorale. On va prendre la Côte d'Ivoire comme exemple. Les élections en Côte d'Ivoire coûteront 96 milliards de francs CFA. C'est le chiffre officiel. C'est ce que l'État va dépenser pour l'organisation de ces élections. Mais donc, c'est 96 milliards. L'État a prévu 12 milliards pour le financement des élections législatives qui viendront après les élections présidentielles. Et à l'intérieur de ces 96 milliards, 88 milliards seront pris en charge sur le budget de l'État et la différence par les organismes internationaux. Ça, c'est le jour des élections. Ça, c'est les élections. Mais en amont, il y a un processus, par exemple, le processus d'identification des électeurs ou de la liste électorale ou le processus de confection des cartes d'identité, des cartes électeurs, ce sont des coûts supplémentaires. Bon, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas estimer pour le moment. Si on peut faire une estimation, parce que on est 25 millions d'Ivoiriens à peu près. Mais on aura à peu près 8 millions à peu près de cartes d'identité qui ont été confectionnées. Le coût de la carte d'identité était de 5 000 francs CFA. Donc rapidement, on peut faire le coût. Mais ça, ce n'est pas à la charge de l'État. Ce sont les Ivoiriens même qui ont payé. Donc on peut pas mettre ça au coût de l'État. Mais si on devait mettre au coût de l'Ivoirien, puisque au final, l'Ivoirien, c'est aussi l'État, on peut facilement dépasser les 110 milliards. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, à la suite de cela, il y a aussi les dépenses qui sont liées aux élections. Par exemple, pour les candidats avec les cautions et autres, ça aussi, ce sont des dépenses supplémentaires.
Mais quand moi, on me dit, par exemple, des élections m'ont coûté 96 milliards, une journée, 96 milliards de francs CFA, j'ai essayé de faire un rapport, un ratio. Par exemple, quand vous prenez le PIB de l'année 2019 de la Côte d'Ivoire, qui était de 33 000 milliards, les 96 milliards correspondent à une journée de création de richesses en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, 96 milliards, quand vous prenez le ratio, par jour, la création de richesses nationales est de 96 milliards. Donc, une création de richesses finance un processus électoral. Je trouve que c'est trop. Mais est-ce qu'en même temps, on peut faire autrement? Avec la nouvelle technologie. Il y a une question de savoir, est-ce qu'on a un élément de comparaison avec d'autres pays en Afrique, pour savoir s'il y a on peut faire la Maurice. Ça coûte beaucoup plus cher. Au Gabon, je ne sais pas si tu as quelques chiffres, ou les dernières élections RDC qui ont coûté aussi très cher. Ouais, qui ont coûté très cher. Mais pour le moment, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, par exemple, les élections de 2010 en Côte d'Ivoire ont été les élections les plus chères même au monde, hein. Puisque ça va coûter 300 millions d'euros. Ouais. Au monde. Alors là, il faudrait. Les élections présidentielles de 2010, effectivement. Donc, plus cher même que les élections aux États-Unis. Ah, 300 millions d'euros. Et les élections aux États-Unis, on sait à peu près combien. Non. Je pourrais avoir les chiffres. On va avoir les chiffres et puis on va mettre ça. Mais... L'idée, effectivement, que le processus électoral, donc on parle de processus, et voilà. Effectivement, avec un certain nombre de choses dont tu as parlé, ça coûte. C'est pas juste on va, nous, nos citoyens, on prend, on fait la queue. Voilà, c'est pas que ça. Mais il y a de l'argent qui est dépensé derrière. Il faut rendre des comptes. C'est surtout ça. Bon. Mais avant cela, on voit aussi que certains partis, enfin, comment ça se passe quand on est en campagne? Moi, je suis par exemple candidat, je dépense beaucoup d'argent. Comment je me fais rembourser cet argent-là par le contribuable? Est-ce que c'est en fonction d'un certain... Voilà, ça dépend du code électoral. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il faudrait atteindre au moins 9%. Donc, 5% pour avoir un remboursement. Sinon, en fonction des dépenses qui ont été effectuées et cela sur justification, on vous remboursera si vous atteignez 5% de l'électorat. Voilà. Donc, tous ceux qui ont dépensé mais qui n'ont pas 5%, c'est à pure perte. Voilà, c'est à perte. Et là, ça n'a rien à voir avec le cautionnement. Voilà. Oui, là, c'est ça, ce sont les dépenses liées à la campagne électorale et autres. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le cautionnement qui est maintenant, inscrit dans. Côte d'Ivoire, c'est 50 millions. 50 millions. Mais dans d'autres pays, par exemple, comme le Bénin, on a 250 millions de francs CFA. Au Bénin, c'est 250 millions la caution. Ouais. Mais est-ce que tout ça, c'est justement restrictif? C'est restrictif. Donc, ça empiète sur le choix des dirigeants. Donc, ce n'est pas une véritable démocratie. On va élire les plus riches. Exactement. Et donc, on n'est plus dans un système vraiment démocratique. Non, on n'est plus dans un système démocratique. C'est-à-dire que les dés sont plus ou moins pipés. Un peu comme le système des parrainages. Hein. Encore que les parrainages... Non, c'est restrictif. Oui, c'est restrictif, mais on peut en discuter dans le sens, dans l'esprit même des parrainages, dans l'esprit de se dire que si vous voulez être candidat, vous devez quand même pouvoir réunir un certain nombre de parrainages sur votre dos. Ça peut se discuter. Ça peut se discuter, effectivement. Mais sur la question du financement des partis politiques, peut-être pour terminer, il nous reste une minute, Jean-Marc. Est-ce que, justement, pour pouvoir avoir une démocratie encore plus efficace, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, en Afrique, est-ce que l'État ne devrait pas financer les partis politiques, même d'opposition, pour leur fonctionnement, etc.? Mais ça se fait. Dans la logique, dans la Constitution le dit. Et un parti, en Côte d'Ivoire, par exemple, un parti politique est financé par l'État sous forme de subvention, mais par un rapport de représentants à l'Assemblée. Seulement que pour la plupart de nos pays, on ne respecte pas cette condition de représentativité à l'Assemblée. Certains partis reçoivent des subventions au bon vouloir du président de la République parce que il n'y a pas de compte. Sinon, les constitutions disent que pour avoir un financement, il faut être représenté à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est clair. Donc, plus vous avez de députés, plus vous recevez de subventions. Voilà, de subventions. Voilà. Vous n'avez pas de représentants, on ne vous subventionne pas. Mais écoute, Jean-Marc... Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est toujours à la discrétion du président en fonction de l'affinité politique et autres. Bon, malheureusement. C'est malheureusement le jeu démocratique tel qu'il est pratiqué ici. Nous arrivons, malheureusement, au terme de notre émission. C'est passé tellement vite. Exactement. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup à dire sur le financement de notre démocratie. Et moi, je pense que, en réalité, la véritable question qu'il faut se poser de ce qui sort de nos échanges,
c'est est-ce que nos démocraties sont efficaces ou sont optimales dans le sens où nous sommes fiers de dire nous sommes des pays démocrates parce que nous avons la liberté d'exercer, la liberté de religion, la liberté d'expression et en fonction du coût de cela, nous avons cette liberté. Malheureusement, trop d'Africains se plaignent de certaines restrictions alors qu'ils contribuent pour le financement de cette démocratie. Donc, ce sont des questions qu'il faut maintenant se poser. On veut de la démocratie, cette démocratie a un coût, mais est-ce que ces démocraties sont efficaces? Effectivement, c'est merci beaucoup pour ton mot de fin, Jean-Marc. Et surtout, on se rend compte qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus regardante sur ces questions-là, qui a soif de liberté, qui a soif de s'évader et qu'on empêche justement de rêver simplement, de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On voit, effectivement, tu parles de restrictions. Donc, effectivement, le rapport qualité prix et un peu des avantages. Voilà, des avantages du citoyen. Donc, il faudrait essayer de rééquilibrer cela. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup. Laurent. Merci à Point de Vue. J'aurai le plaisir de t'inviter à nouveau pour continuer cet échange. Il y a beaucoup à dire. Voilà. Et merci à vous qui réagissez sur les canaux de Point de Vue sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à poser votre point de vue en commentaire et nous aurons toujours le plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup de rester fidèle à Point de Vue et bonne soirée chez vous.